산지 Est-ce que tu peux monter juste le retour dans les enseignes que j'ai devant, s'il te plaît? Oui, c'est pour moi, pour les enceintes que j'ai devant, tu sais, les petites. Un peu plus de son, merci. Nous venons de prendre allez nous venons de prendre refuge donc dans les trois joyaux, et finalement si nous réfléchissons pourquoi est-ce que nous nous tournons vers les trois joyaux, c'est parce que foncièrement nous souhaitons être heureux, nous sentir bien, éprouver le bonheur et ne pas souffrir. C'est ce qui nous amène finalement foncièrement à nous tourner vers les trois joyaux. Et en fait, on n'a pas besoin d'être bouddhiste, en notre terme, de prendre refuge ou non, finalement, pour partager cette aspiration-là. C'est-à-dire de vouloir foncièrement être heureux et éviter la souffrance. Ça, c'est quelque chose que nous partageons avec tout un chacun. Et il y a une foule, d'ailleurs, de moyens. Nous employons tous les uns les autres à une foule de moyens pour justement essayer d'éprouver ce bonheur, ce bien-être et de limiter l'inconfort ou les désagréments. C'est cela même, c'est cette aspiration qui sert de moteur, en quelque sorte, aux études que l'on peut faire, qui peuvent prendre de multiples aspects. C'est également cette aspiration qui est à l'origine de tout le progrès matériel ou le développement technologique et matériel à travers le monde. C'est ce qui amène telle ou telle personne à pratiquer son activité, qu'il s'agisse dans le coin ici pour les agriculteurs donc de semer, qu'il s'agisse pour n'importe qui donc dans son domaine d'action de travailler. Tout cela sont constitue pour nous autant de moyens, en quelque sorte, ou nous les concevons comme autant de moyens de mettre en place, justement, ou d'éprouver du bien-être ou du bonheur. Dela,
아니 동해샤다 가나 아니 게는로 과 자기도 와서 와 대차고 와서 대인들 간에 유노 론조 지보기 아니 샘기부스 가서 기부지서 두고 말해서 니지지서 두고 말해서 대인들 간에 니지서야 다시 때와디 가려야 되잖아 말은도 또 샘나로라 하네 아니 주주 당제 저야 되게 좀 버려야 되겠어 Or justement dans cette recherche donc du bonheur, du bien-être, nous partons en fait d'une méconnaissance de ce qui concourt au bonheur, au bien-être justement. Et nous focalisons toute notre attention et notre énergie finalement sur des conditions extérieures. Donc ces conditions extérieures ne sont pas complètement négligeables en ce sens qu'elles améliorent indéniablement notre bien-être physique. Elles facilitent grandement notre bien-être physique et augmentent finalement ces sensations physique agréable, plaisante. Ça, c'est indiscutable. Est-ce que, par contre, elles sont suffisantes ? Visiblement, non. Il suffit de voir combien certaines personnes disposent de certaines facilités matérielles, mais sont mentalement plutôt déprimées, plutôt anxieuses, tendues, stressées, etc. Et cela, de toute évidence, montre que les seules conditions extérieures, matérielles, en d'autres termes, ne suffisent pas, en d'autres termes, à l'établissement donc, du bonheur, du bien-être. En effet, la sensation éprouver du bonheur, éprouver du bien-être, se sentir heureux, va dépendre d'une transformation donc, d'ordre mental. Pour ce qui est de toute façon déjà d'améliorer son confort physique, donc ses conditions matérielles pour avoir un mieux-être physique, il faut dire que même les oiseaux y parviennent plutôt bien. Par exemple, une espèce comme les oiseaux y parviennent plutôt bien, même quelquefois ils sont même plus malins que nous, ils s'en sortent mieux, on peut dire que nous. Regardez simplement, chaque oiseau est en mesure de construire son nid, de construire sa maison, ce qui va l'abriter, abriter sa couvée, etc. On ne peut pas dire ça de nous tous, on n'est pas en mesure capable de construire notre lieu d'hébergement. Et donc la conclusion est que manifestement, le seul bien-être physique, en l'occurrence donc procuré simplement par les conditions matérielles, ne suffisent pas donc à mettre en place une expérience donc de bien-être, une expérience de bonheur. Cette expérience va dépendre effectivement donc de l'esprit, lequel esprit donc doit bénéficier d'une transformation. Et cette transformation, c'est tout le propos justement de ce qu'on appelle le dharma. Donc on pourrait dire au sens plus large, si vous préférez, la spiritualité, mais celle qui nous concerne, donc c'est plutôt ce qu'on appellera le dharma, et laquelle donc vise à justement, ou se propose d'apporter cette transformation de notre esprit. Pour ce qui est de l'esprit, on ne peut pas tellement acheter des conditions extérieures. On ne peut pas, pour ce qui est du corps, par exemple, on peut chercher, les trouver extérieurement, voire les acheter, les acquérir, des conditions de mieux-être. On peut, entre guillemets, acheter la santé ou acheter un mieux-être physique. On peut se faire injecter ceci et cela pour se sentir mieux physiquement. Pour ce qui est de l'esprit, c'est moins évident.
다디 다 가르치고 오래라나 다 죄니에 죄 죄가 난게 납자디 아니 스스로 이제 근데 샘디야 답시던 거 오래스 사과도 아니 다 남바산 집에 죄디 니 가서 그래 어 가서 그래 랑게 샘니 용수 뒤 되는 산지 된바인 송아디 데리데 오래 서로 랑게 샘니 용수 뒤 세야디 가르라고 하려나 샘 마란도 마제 차도 세단 다 비드 담는 치디야 된도 상말로 아니 베데 누가 잘했더라 된도 매봤으니 아니 신야라 뇌베 삼바도 좀 상파 쉬워지네 아니 파 신야라 팬베 삼바 장제 아니 바 샘 두고지네 장야 그지 쉬운 거래 서로 Qu'est-ce que donc l'on peut faire, c'est écouter en fait justement ce dharma, écouter ses enseignements, d'autres termes, écouter ce dharma, et ensuite chercher à nous l'appliquer, c'est-à-dire chercher à nous en servir de manière à maîtriser notre esprit, de manière à le discipliner, en d'autres termes, en prendre le contrôle. Et l'on vient d'ailleurs de lire cette louange au Bouddha Shakyamuni, dans laquelle il y a cet extrait d'un sutra qui nous dit « dompter complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha ». Et c'est le propos même, finalement, de ce dharma, donc de cet enseignement du Bouddha, que de proposer autant de moyens, finalement, pour prendre le contrôle de notre esprit, le discipliner, le maîtriser. Qu'est-ce que ça veut dire, discipliner, maîtriser notre esprit ? Ça veut dire, en d'autres termes, arriver à progressivement pacifier le terme peut dire en tibétain quelquefois on peut dire adoucir mais au sens ici de pacifier des facteurs tels que notre orgueil tels que notre aversion notre colère par exemple notre jalousie notre attachement etc tous ces facteurs qui habituellement sinon troublent et agitent notre esprit le perturbent. Dinzula tenile yungdoas, Majibasiadi, Tiledugane, Dinzu machung rudrosna, Ranshugi sem Tuya yungdra in Barbas. Tienda, Dinzu machung rudna, Tavshire de Ores. Il faut bien effectivement avoir conscience que les véritables fauteurs de troubles, en fait, ce sont bel et bien nos émotions perturbatrices. C'est bel et bien notre orgueil, c'est bel et bien notre jalousie, c'est bel et bien notre colère, notre aversion, notre attachement, etc. C'est eux qui créent en fait cette agitation, ce trouble qui dérange ainsi l'esprit de manière à nous faire agir donc contre nous finalement, à être contre-productif dans ce que nous accomplissons. À partir du moment où nous amenuisons de tels facteurs, à partir du moment où nous cherchons à les pacifier, donc le terme revient ici, à partir de ce moment-là, de fait, notre esprit gagne en sérénité, il gagne en bien-être, il gagne en bonheur. C'est bien joli de dire cela, de dire que cet orgueil, cette colère, cette jalousie, etc. agitent, perturbent notre esprit. Mais encore faut-il arriver à identifier chacun de ces facteurs, c'est-à-dire à les reconnaître, non plus ici d'une façon générale, mais à les reconnaître en soi lorsqu'ils se manifestent dans notre esprit, arriver à bien les cerner, à bien les identifier, les reconnaître pour ce qu'ils sont. Et parce qu'on apprend à comprendre en quoi est-ce qu'ils consistent, comment ils se manifestent, qu'est-ce qu'ils entraînent, on n'est plus dans cette illusion quelquefois qui nous amène par exemple à penser que l'orgueil a du bon, quelque chose qui nous est bénéfique, qui nous aide, ou que la colère par exemple est bénéfique, nous apporte quelque chose de positif. On arrive finalement progressivement, parce qu'on est en mesure de mieux les identifier, on arrive à voir les inconvénients, les travers, les conséquences, les défauts, dit en d'autres termes, mais les conséquences finalement de ces émotions perturbatrices. Et fort alors de cette compréhension-là, on peut alors et simplement ensuite chercher donc à diminuer de tels facteurs. Ouais. Mandugi popa da ngaje ni la noya nyanga chimbu yungu dwa sruwa. Di indi gane, ta ngaje yue ma ye di, popa ganda ngaje yue ma ye kande ta ure lana, popa di ngi tup saye di, popa re de ores. Ngi kari ini ngi chi tup kuri, chi matupa yue ma re saye di popa re de ores. Di ganda la ta di la ngaje yue ma ye saye di, shiyan la tongchung tanga ki lo di yungu do mendo. Ruwa, ya tobe samba di yungu do mendo, di ta gu go ores. Di yue na,
ngaji chadares. Ngaji ngaji lada dhamma na yungu yawasro. Chewa la ngaji chimato ne ya. Kho le da nga cha sa. Dindu yungu yawasro. Kho le da nga. Kho da nga laki. Chunju dindu le yang tuli tanyada. Sema boba gen leya dindu yungu yawasro. On dindu le deo desu wa. Chetan dindu ngaji ngu yawasro ba. Dindu tangma da mangbu dashi jamu wa che. Ham chorang du lobjong che uwa desu. Tanda di desu. Tanda zo che lobjong che uwa desu. Che lobjong che ge na. Che nang logi ani. Da. Jun de la 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 Jun de
en quoi est-ce qu'il consiste, et ensuite d'arriver à prendre conscience de leurs défauts, de leurs travers. Parce que ce n'est pas si évident que cela. Souvent, de prime abord, on n'a pas conscience de que ces facteurs sont si perturbateurs que cela. On n'a pas conscience qu'ils causent un préjudice. Pour ce qui est de la colère, par exemple, la plupart des gens s'accordent sur le fait que c'est quelque chose de néfaste, que la juge comme quelque chose qui nous est, qui est destructeur, qui nous cause du tort, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas de toutes les personnes, enfin, de la considérer ainsi. Mais néanmoins, le simple fait de connaître la colère, de savoir qu'elle est néfaste, ne va pas suffire donc, ensuite pour l'éliminer. Mais c'est la condition donc indispensable. Il nous faut regarder, une fois qu'on a, on a entendu parler, par exemple, des inconvénients d'une perturbation, des défauts d'une perturbation, il nous faut surtout ensuite regarder cela dans notre vécu, dans notre esprit, dans la manière dont dans ce que nous ressentons, dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. De voir, par exemple, que lorsque nous nous laissons aller à un instant de colère, par exemple en proférant des paroles qui sont blessantes, qui sont, on peut dire insultantes, mais blessantes en tout cas, pour autrui, regardons ce qui se passe. Au moment où nous éprouvons de la colère, nous sommes nous-mêmes extrêmement tendus, donc nous sommes mécontents. De toute évidence, la personne qui va entendre ces propos qui lui sont destinés va être elle aussi mécontente. Si peu qu'il y ait d'autres personnes dans l'entourage, elles vont être tendues, donc par cet échange de propos. Cette colère, lorsqu'elle se manifeste en nous, va modifier complètement la perception que nous avons des choses, donc tronquant en grande partie finalement ce que nous sommes en mesure de voir et de comprendre. D'un point de vue plus strictement, pourrait-on dire bouddhiste, si l'on regarde les défauts de la colère, il est dit qu'elle nous amène à accumuler donc des méfaits, c'est-à-dire des karmas préjudiciables, des karmas qui nous seront négatifs. Elle brûle ou elle détruit leur potentiel vertueux, donc des actions vertueuses que nous avons pu accumuler précédemment, et elle sert de cause finalement pour nous propulser vers des renaissances infortunées. Donc il importe en fait que notre esprit regarde donc tous ces travers, prenne le plus conscience possible de ces différents travers, donc d'un facteur tel que par exemple ici la colère, et plus il prend conscience de cela, plus il le regarde en fait au sein même de notre esprit, plus alors il sera facile d'intervenir donc pour la déloger. Sem sangbo chen sem ba khuyangbo chigena wa sem ba ji nyomo to su chuya de nyong khade nyong ni chigena de ge de sem a lu de wa ne che re wa de ya de am ji den de chi gre ting do wa de den de chi gre sem thu su na de la de ne lu le na da ma yong gre sne de la ji ge do as nga do ga bre kha she ani da ji che ga do ne ani na do chi ne ha ma go de ne yo de su wa na lo lung gi lung gi chu jo ge wa 롱그 투조 암직 따지신 하고 오면 돼. 샘 막이 봤지네. 다 롱그 투조죠. 아, 네 암직 하시기다 따지신. 아, 고란 샘 부도도 보여서 그래서. 근데 라든지 용구도 왔어. 나 디디레다 그래서 와. 아, 나다 그 미생에 나다 든지 레용 거 알았어. 따통나 사요 말아 왔지. 나도 나 사요 말아 있니 나로. 나로 나서 나도 때와 데레스다. 독슈디. 왕아들 두개야. 노. 와, 제 대지 니잘 중에 다 데레다 그래서. 디 인디가네 딩아도 다 다고자고 그랬어. 디 다고자야 그 탑시에 다오데다 말한도다 전주랍지 문세야데 내용 거래서 람준 세야데 와. Et parmi d'autres inconvénients, par exemple de la colère dont on n'a pas parlé, c'est par la tension finalement qu'engendre la colère en nous, d'avoir des répercussions donc sur notre corps et sur notre santé. Donc, et de nos jours, donc, plusieurs études ont été menées qui montrent effectivement que des gens plutôt colériques, par exemple, qui s'emportent facilement, ont une espérance de vie diminuée, sont plus sujets à certains types de pathologies, par exemple. Il est évident que quelqu'un dont l'esprit est plus tranquille, plus détendu, se sentira mieux physiquement, et par là même, cela aura une incidence beaucoup plus favorable donc sur sa santé et donc sur la durée de sa vie, de son existence. Il se peut très bien que l'on ne manifeste pas encore extérieurement de maladies particulières, mais que intérieurement on soit extrêmement tendu, extrêmement tendu, c'est littéralement, et
et que cela nous mine en quelque sorte intérieurement et fasse le lit finalement de maladies imminentes en fait ou de futures maladies. Tout cela pour dire que fondamentalement la maladie principale dont on est affecté c'est bel et bien celle de nos perturbations. Pourquoi ? Parce que ce sont justement ces facteurs perturbateurs, ils portent bien leur nom pour ça, qui justement entravent notre bonheur, notre bien-être. C'est eux qui perturbent finalement la manifestation, l'expression de notre bonheur, de notre bien-être. Et les moyens de recourir à cela, donc, c'est justement d'étudier, de comprendre ces fameuses étapes de la voie, donc, dont notamment ce texte donc, que nous étudions, ce lamrim, donc ces étapes de la voie vers l'éveil, qui constituent donc, le moyen par excellence donc, pour se défaire de nos perturbations. Or justement, on parlait d'une personne qui pourrait être extrêmement tendue, extrêmement crispée intérieurement, extrêmement tendue, on dirait littéralement. Et on dit en fait que souvent, la tension se lit sur le visage en fait. On n'a pas besoin de tellement échanger avec une personne pour voir finalement combien elle peut être stressée, combien elle peut être... si on est un tant soit peu observateur, certes, mais cette tension peut se lire, peut être perçue. Donc cette tension se lit sur le visage et donc inversement donc, la détente aussi finalement se lit sur le visage et on n'a pas besoin finalement d'user tellement alors d'artifice, de maquillage ou autre pour masquer des tensions ou stress dans ce moment-là, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc, en ce qui concerne par exemple justement cette tension pour moi c'est quelque chose d'assez évident. Si je prends mon exemple et celui de mon frère. J'ai un frère qui est mon aîné de 5 ans et quiconque en fait le connaît et donc nous connaît tous les deux, en fait mon frère est extrêmement tranquille, extrêmement détendu. Moi de tout temps j'ai une nature beaucoup plus stressée, beaucoup plus tendue depuis tout petit. Et c'est assez flagrant parce que c'est mon frère aîné de 5 ans et quiconque nous voit tous les deux à côté pense que c'est moi qui suis l'aîné en fait. Et c'est assez flagrant effectivement et tout le monde en fait se trompe pensant que je suis plus âgée parce qu'effectivement depuis tout petit
étant beaucoup plus tendue, en fait, ça marque en quelque sorte l'expression, ça marque le visage, ça engendre un vieillissement finalement prématuré. En d'autres termes, ça affecte davantage finalement le corps et probablement sur donc l'espérance de vie, etc. Donc, si on aspire donc à être en bonne santé, si on aspire à une durée de vie suffisamment longue, si c'est ce à quoi l'on souhaite, alors on n'a pas d'autre moyen que de se détendre, justement, d'apprendre à ne plus être sous l'emprise donc de telles tensions d'ouvrir notre esprit, donc de développer des facultés telles que l'altruisme, par exemple, autant de qualités finalement qui vont permettre d'ouvrir l'esprit. Prenez ce terme, par exemple, de l'éveil. Donc, le tibétain, comme le sanskrit, est constitué de deux syllabes. Ici, il y a ce mot de jang-chup, en fait. Et jang, ça veut dire qui a éliminé, qui a purifié, en d'autres termes ici. Et qui a purifié quoi ? Qui a purifié les différents voiles, ce qui entrave, finalement, la manifestation claire de l'esprit ou pure de l'esprit. Les voiles que sont les voiles des perturbations dont on parlait et les voiles à la connaissance. Et d'un autre côté, il y a cette syllabe chup qui veut dire qui s'est doté de toutes les qualités, qui a parachevé, en d'autres termes, mené à leur plein épanouissement toutes les qualités. Quand on dit ici qu'il a purifié donc, les voiles, c'est les voiles qui font autant obstacle à la manifestation pleine et entière de notre propre bonheur et bien-être qu'à la manifestation donc, pleine et entière du bonheur d'autrui. Donc, les voiles des perturbations donc, entravant notre bonheur, notre bien-être immédiat, et les voiles à la connaissance nous empêchant finalement d'être pleinement bénéfiques à autrui de manière complètement développée. Pour ce qui est Chum, donc l'autre aspect, c'est développer toutes les qualités avec donc comme phare de ces qualités toutes les qualités d'altruisme, donc qui justement sont mises à la disposition d'autrui, donc pour œuvrer à leur bien-être. Et si l'on prend le texte, le titre, simplement notre texte, on a ici la lumière de la voie vers l'éveil. Auteurs peuvent garder le flambeau, littéralement, de la lampe, le flambeau ou la lampe d'ailleurs pour certains, de la voie vers l'éveil. Et c'est vraiment cette notion finalement de quelque chose qui vient éclairer le processus, mettre en lumière, mettre en avant, l'expliciter finalement, tout ce processus qui conduit justement vers cet état. Donc de Changchup, c'est-à-dire d'éveil. Et finalement, la condition dans laquelle nous nous trouvons, c'est d'être dans l'obscurité la plus totale, justement l'obscurité quant à ce cheminement, qui n'est autre, pour revenir à ce que l'on disait au début, finalement, qu'un moyen justement de parvenir à ce bonheur, à ce bien-être auquel on aspire. Ce chemin est là, en fait, mais nous sommes complètement... Nous en sommes complètement ignorants, donc nous sommes dans cette obscurité ou ces ténèbres à son égard, et nous ne faisons qu'avancer à tâtonnant en essayant en fait de nous y prendre du mieux que nous pouvons, mais donc dans l'ignorance la plus totale.
Une fois ensuite que la lumière est faite sur ce processus, sur ce chemin, c'est déjà une étape et une étape indispensable, mais ce n'est pas tout. Faut-il encore le parcourir ? Faut-il l'emprunter, ce chemin ? Et emprunter ici ce chemin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas le tout de savoir qu'une perturbation est une perturbation, qu'elle a des conséquences négatives, mais encore faut-il regarder cela dans notre esprit, pour voir comment se manifeste telle perturbation dans notre esprit, quel impact, quel effet, quelles conséquences elle a sur notre esprit. Et c'est là où on emprunte alors ce chemin, c'est-à-dire on applique en fait ce processus directement. C'est là où il peut y avoir quelque chose de bénéfique. Faute de quoi, on va simplement se trouver dans une accumulation de savoir et on va dire, oh, mais ça je sais, ça je sais, ça je sais, et accroître notre orgueil, regarder les autres de haut en se disant, après tant d'années, il ne sait toujours pas ça, franchement, et avoir ce type finalement de pensée. Et ça, c'est par excellence passer à côté, justement, c'est-à-dire avoir ce chemin qui est bien éclairé, mais par contre, surtout ne pas se l'appliquer, surtout ne pas l'emprunter. Si par contre, on l'applique, on l'utilise à son esprit, enfin on l'applique à son esprit, alors effectivement on va apprendre à identifier une perturbation, on va apprendre à en reconnaître ses travers, reconnaître ses défauts, on va l'examiner lorsqu'elle se manifeste dans notre esprit, on va chercher à y remédier et parallèlement accroître nos qualités, et c'est là où effectivement on aura tous les bénéfices donc, de l'éclairage de cette voie. Sen de son amajena, ani katore, ani chirim son a yomai, sin, roa, de son yores, and de dam de mede, ani karza, de lojon, tendema, roa, tendema, tendema, mare, katijema, tijena la kaza, yomonja mata, tajema ronchevena, ani, tenda doni dovasho, lansan de sam danje, taj, da maronche, shema ronche, do, tinda, di. Ce qui est important, c'est d'apprendre à, on dit, garder notre esprit, c'est-à-dire finalement à en prendre soin, on pourrait dire d'une façon plus moderne, je ne sais pas. Mais prendre soin de notre esprit, parce que si on le laisse aller comme bon lui semble, cela veut dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement pour l'éthique. Ça veut dire que notre esprit fait un petit peu tout et n'importe quoi. Un petit peu comme un éléphant fou, donc fou furieux, donc livré à lui-même. Et donc, c'est vrai. C'est vrai, si l'on regarde bien, si on laisse notre esprit faire ce que bon lui semble, il fait vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, c'est important de le garder, c'est-à-dire donc d'en prendre soin ici. Parce que sinon il n'y a aucune possibilité, on n'a aucune base même pour pouvoir pratiquer l'éthique ou agir de manière éthique. Dans les Langritampa, dans les versets, dans les huit vers pardon, de la transformation de l'esprit, nous dit donc à propos justement comment, il nous indique un petit peu plus comment garder notre esprit. Il nous dit dès qu'une émotion perturbatrice, dès que s'élèvera en moi une émotion perturbatrice néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. C'est-à-dire avoir suffisamment appris à prendre conscience de nos émotions perturbatrices pour reconnaître dès l'instant même où elles se manifestent, savoir combien elles nous causent à nous-mêmes et aux autres un préjudice et chercher coûte que coûte en fait à y remédier. C'est tout ça qu'on entend en fait par garder, prendre soin de notre esprit. Il faut en effet avoir conscience que lorsque nous agissons, l'action sera finalement constructive ou préjudiciable selon la pensée qui l'a sous-tendue. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous aura animé lorsque nous aurons agi ? Quelle aura été l'intention qu'aura été la nôtre lorsque nous avons accompli telle ou telle action ? Et c'est la nature même de notre intention, de notre motivation, notre terme, de cette pensée qui sous-tend une action, qui fait qu'il y aura une action donc constructive ou une action préjudiciable. Donc il nous faut réellement toujours revenir du côté de notre esprit pour voir ce qui nous anime, pour voir les pensées qui sont les nôtres et donc ne pas hésiter à les réajuster. Mm-hmm.
で、で、なんかちょっと手羽で、セムラジャーに、ルギーな、ランシュシシとはちゃうんです。シシの。シシとは。うん、ラス。ラス、ラス。シワだ、トルボ。とは、シシとはちゃうんです。ラス。でね、ゴムドスランダ、ゴムサダ、ニョモンギ、ニョモンのニョムテン、ゴムジャゴールバス。うん、うん。ゴムジャゲーな、あのニョモンランシュチュンとです。ニョモンとニョモンチュンアスラバです。うん。で、で、なんかちょっと手羽で、 En fait, il est dit de la pratique du dharma que par la force de l'étude, on en vient à accroître notre vigilance et par là même à contenir davantage notre esprit, à le discipliner davantage. Et par la force de la méditation, donc de l'accoutumance en fait à la répétition finalement de ces différents états d'esprit, on arrive à s'opposer à nos émotions perturbatrices et donc à les voir réduire finalement, à voir que, enfin en tout cas à faire qu'elles diminuent, qu'elles ont moins d'influence sur notre esprit. Et donc pour avoir un esprit beaucoup plus finalement contenu, un esprit beaucoup plus discipliné. Et cela vient de quoi ? Cela vient simplement de l'application du dharma qui a été étudié et qui a été ensuite médité. Ce n'est qu'en vertu de cela. De sorte qu'il nous est facile finalement de voir si oui ou non, c'est un petit peu notre témoin, notre mesure étalon en quelque sorte ici, de voir si oui ou non nous appliquons le dharma. Il suffit de regarder les conséquences sur notre esprit. Est-ce que notre esprit est en passe de devenir plus contenu, plus discipliné ? Est-ce que nos émotions perturbatrices vont en perdant de l'emprise sur lui ou est-ce que ce n'est pas le cas? Tende indu gane ngaran zugi gom jae de gom jange zula to ni la ani shiden yago gure sne wa o ni shiden yago ji gure sne lo jong ya de la o ni shiden yago gure sen song ya de ta de cha de so wa o ni ya ani ji wu chung yu lo da de sen ma jang wa jin ni thob jo go jo ya ji wu chim bi lam ji ran ba de dam de me sang ha lam ji ran ba jang gi na Ani ta wani nyumu chungru dangdang dang dhidu samlu chungru dang yomar bas. Wa nimi da dhidu chungru samlu sem jang yomar bas. Ma jang dhiga ne rangshu ki ngarji chiru roya. Wa ani shen la tongju chiru roya. Ani dhine bide ta shivu yin samche dhine da dhamina chini da. Ani dhigi ta chue di, chue sumaru chue tusu roya res. Tuk. Chue sumaru chue tusu roya res. Dhin dhiga ne ma dhin yago ngadzu tenjo nyaga ne jini. तो ngaran du ta nga ge ta mangbu shu go de swa shu go de ne ngaran du nyam ne chi ya te wa de mi ge shu ja ni chi ya che an da nga ge du ta kelen yoe ni da su su ge da chi ta sho la nyam do swa gong gu go de swa zo ni ge ngaran du ma de mi ge jang ya de ke chi go de zo zo ma de wo ni jang ya de ke chi mo de de den jo ni ya ga ne chi ne lo jang ya de den zo da 아니 뉴몽기 님이 다야 난들로 로 조중 관계로디 맞아 다들 된전이에네 샘 르덴드라네 가수스 가면도 알아 샘는 가수 믹스 가면도 가수 매야데 가시는 거 말해 디 마삼로 내 르덴드 아주 부시오이 삼스템 마찬 바이나 가수요 말해 근데 내가 치르고를 능 암라지게 믿어 왔어 맞아 대교에 삼 흘려지도 왔어 난들로 어다 할라마즈노로 니슈숨지 십지도 전에 나온다 몇 삼자 때문에 쟁기도 왔어라 내게 삼자 쟁기도 쓰라 디 쟁기로 와 쟁기도 와 아 단다다 말로 아주 마찬지 로 주주 든지도 내일에 삼자 때문에 쟁기도 와 디 쟁한테 가진 쟁기 와 지원입니다 오 마찬인데 디스 딘주 야고지 마데나 아니 가는 거 아다 다 곰바 삼제 마도 곰베 편여도 문이 열에 와 편여 열에 이니 될라다 마제지야기 자신다 딘데 줘서나 베트문에 다녀다 주연도 주어래서 네 다원이냐고 요 말해서 개지무시라 지네 오는 가도 로장고 그래서 la
transformation donc sera d'autant plus sûre et salutaire finalement qu'elle s'appuiera sur une base qui sera suffisamment stable, qui sera suffisamment déjà qui sera présente et qui sera suffisamment stable. Parce que sinon, méditer de but en blanc, donc en faisant fi donc des étapes préliminaires que sont les réflexions, les méditations qui portent, donc qui sont communes pardon, aux individus de petite capacité, aux individus de capacité intermédiaire, à défaut de ces réflexions, de ces méditations là, qui constituent donc ainsi la base, le support, de but en blanc accéder ou vouloir prétendre accéder aux pratiques des individus de grande capacité, voire même aux pratiques de la voie tantrique, c'est quelque chose d'extrêmement hasardeux. Pourquoi cela ? C'est parce que à ce stade, donc notre esprit ne s'est pas encore rodé suffisamment, n'a pas pris suffisamment conscience de ces perturbations. En aucun cas, il n'a essayé de les éliminer, de s'y opposer. Et très rapidement, donc fort de nos connaissances, fort de une certaine compréhension que nous pensons avoir, notre orgueil va se renforçant, nous développons davantage d'arrogance, de condescendance, de mépris, etc. vis-à-vis des uns et des autres, de sorte que au lieu d'avoir un effet thérapeutique, le dharma finalement se transforme en poison. On peut dire même presque qu'on s'est immunisé en quelque sorte contre le dharma, c'est-à-dire que le percevant ainsi finalement il ne peut plus rien pour nous, donc puisque finalement on ne l'utilise pas à bon escient. Méditer effectivement les premières étapes, ça veut dire prendre conscience de cette condition qui est la nôtre, cette existence disponible et qualifiée. Ça veut dire par exemple prendre conscience donc de ce qu'est une émotion perturbatrice, de ses travers, comme on disait, de ses inconvénients. Et ne prenons qu'un exemple. On parle justement de l'existence disponible et qualifiée. Si l'on regarde bien, comment se fait-il que cela n'évoque pas de joie particulière en nous ? Comment se fait-il qu'on n'éprouve pas de réaction particulière à l'idée simplement de jouir d'un tel support ? Parce que tout simplement, c'est des étapes que nous avons un peu brûlées. On nous dit, ou de temps en temps, on pense « je vais mourir ». Oui, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui nous perturbe plus que ça. Il faut être clair. En ce qui me concerne, j'ai une cinquantaine d'années. Je me dis que j'en ai encore pour quelques années devant moi. Oui, je sais que je vais mourir, mais j'en ai quand même encore pour quelques années. Et ça montre quoi ? Ça montre justement un manque de prise en compte donc de cette nature-là, donc de cette condition-là, en l'occurrence, un manque de réflexion, un manque de méditation à ce propos, qui justement ne fait que la base, en quelque sorte, pour accéder ensuite aux réflexions, aux méditations, pour pouvoir des étapes beaucoup plus avancées, cette base fait défaut. C'est ça. Et donc c'est important de penser ainsi pour pouvoir revenir en fait et ne pas négliger en fait les étapes, toutes les réflexions, d'autres termes, le contenu finalement qui est commun aux individus de petite capacité, de capacité intermédiaire, pour ensuite accéder de façon finalement saine en quelque sorte et constructive aux réflexions donc propres à un individu de grande capacité. Si effectivement on brûle un peu les premières étapes, on se retrouve sans fondation, à l'instar d'un bâtiment ou d'une maison qui, si peu que le sol commence à trembler ou qu'il y ait quelques intempéries, voit en fait le bâtiment complètement s'écrouler parce qu'il n'y a pas justement ces fondations. Il n'y a rien qui va sous-tendre une telle pratique. Si effectivement on brûle, comme on l'a vu, des étapes, c'est la meilleure façon de transformer, finalement, par exemple, en abordant des étapes beaucoup plus élevées comme celle du tantra, par exemple, d'aborder, c'est la meilleure façon, pardon, de transformer donc le dharma en poison, donc.
는 삼당제다 신이 바셈 장야지 한 셈 덥제 내용그래 서로와 ces étapes préliminaires donc nous amènent ensuite à accroître donc une certaine compréhension donc de la nature des choses, de notre propre condition, nous amène à prendre conscience donc de notre propre souffrance, et cette réflexion là ensuite va nous permettre de développer l'esprit d'éveil, comprenant que c'est une condition que nous partageons avec l'ensemble des êtres, et nous pouvons alors ressentir donc également cette la souffrance donc d'autrui comme étant insupportable, engendrer alors effectivement l'esprit d'éveil. Développer l'esprit d'éveil, en fait, ça nous amène à quoi ? Cela nous amène ensuite à agir donc en faveur d'autrui, donc à agir de manière altruiste, donc à accomplir donc des actions concrètement dans ce sens. Mais pour que cet altruisme finalement puisse être efficace, il faut pouvoir s'appuyer sur certaines facultés, en l'occurrence celles que l'on a dont on a parlé donc la dernière fois, peu de temps avant de nous quitter, qu'est-ce que sont des facultés supranormales qui nous permettront finalement d'avoir un impact significatif, donc en profondeur et en quantité finalement sur les êtres, c'est-à-dire de pouvoir aider de façon beaucoup plus probante finalement les êtres. Or, ces facultés supranormales se développent, donc s'acquièrent sur la base du calme mental. Le premier ennemi, en fait, au développement de ce calme mental étant la paresse. Tant que nous laissons aller sous le coup de la paresse, il est impossible de développer une telle aptitude. Et ce qui est classiquement reconnu comme s'opposant avec le plus de puissance possible justement à la paresse, c'est la prise en compte de notre impermanence. Plus on va réfléchir et prendre en compte notre impermanence, et plus nous serons dans l'imminence. Finalement, nous ressentirons l'imminence, la nécessité de nous y mettre dès maintenant. Parce que faute justement de prendre en compte notre impermanence, et c'est ce qui justement permet à notre paresse de se manifester, nous pensons toujours que bon, ben, on va s'y mettre, mais on va s'y mettre demain. On aura toujours demain pour s'y mettre, et il y aura toujours après-demain, etc. Et ça, c'est manifestement nier par excellence, en fait, notre condition. Dès lors qu'on médite l'impermanence, qu'on la prend véritablement en compte, là, on ressent cette urgence, et ainsi, donc, cette réflexion sur l'impermanence permet donc de couper court à la paresse. Chamjan Dani, Chamjan Dani, Chamjan Dogaslana.
Et si l'on regarde bien, en fait, on s'entend souvent répondre si l'on a le choix entre deux options. Est-ce que je fais mes pratiques maintenant ou est-ce que je vais me balader? Est-ce que je vais faire un tour? On s'entend plutôt volontiers répondre, oh, ben, je prendrai bien la promenade ou j'irai bien faire une promenade. C'est plutôt quelque chose qu'on va avoir plaisir à faire, qu'on va avoir envie de faire spontanément. Regardez, par exemple, lorsque il ne fait pas beau aujourd'hui, on va se dire, oh, j'ai pas pu sortir de la journée, j'ai pas pu m'aérer, j'ai pas pu aller me promener. On se dit pas, ah chouette, j'ai pu rester dedans toute la journée, j'ai eu le temps de pratiquer davantage, j'ai eu davantage d'occasions de pratiquer. Il y a certaines personnes qui pensent ainsi, mais ce n'est peut-être pas la plupart des gens. Rien, c'est tout. C'est tout. Dis-moi ton minute. C'est tout. Donc oui, non, la conclusion, pardon, c'était effectivement... La conclusion, c'est de effectivement, c'est la. Enfin, quand on voit qu'on fonctionne de cette manière-là, qu'on prend ce type d'option-là, finalement plus volontiers, cela signe tout simplement qu'on ne prend pas suffisamment en compte notre impermanence. Et si peu qu'on ait commencé à faire nos pratiques le matin, on pense y passer un certain temps, voilà, parce qu'on a un petit peu d'espace devant nous, etc. Et si tant est qu'un de nos amis arrive, pointe le bout du nez et nous dise, ou nous téléphone, même, pire encore, nous téléphone et dit, il fait beau aujourd'hui, si on allait faire un tour, si on allait se balader, oh ben d'accord, je suis prêt dans 5 minutes, pas de problème du tout. Il se peut, donc vous avez à peu près compris, puisqu'il se peut par exemple qu'il y ait même un rituel le lendemain ou une puja, et de se dire, oh mais non, j'ai pas le temps d'y aller en fait, j'ai pas le temps de j'ai pas le temps d'aller au rituel en fait. Sous-entendu, il fait beau, je préfère aller m'aérer. Et donc, essayons autant que possible donc, de ramener notre esprit justement sur notre impermanence, d'en avoir de plus en plus conscience finalement, continuellement, quotidiennement et continuellement. Et ne nous préoccupons pas trop de ne pas voir des réalisations très, très élevées, par exemple, ou très avancées, par exemple, se produire, se manifester dans notre esprit. Ne pensons pas tellement à cela ou ne nous sentons pas découragés vraiment par rapport à cela. Parce que tout va dépendre, on le sait très bien, de la motivation, de ces pensées qui nous animent. Et si, rappelons-nous ce conseil que Nagarjuna a donné à ce roi qui était venu le trouver pour voir... Allez.
Allez, pardon, c'était Atisha en l'occurrence pour, ce, pour celui-là. Ce roi que, qui était venu trouver donc, Atisha, Atisha de lui donner des conseils simplement sur sa motivation en lui disant tu ne vas pas pouvoir mettre de côté toutes tes activités, tes différentes activités, mais simplement assure-toi de prendre refuge et engendrer l'esprit d'éveil trois fois le jour, trois fois la nuit. Et ensuite, chaque fois que tu bois, que tu manges, que tu consommes quelque chose, fais-le avec un état d'esprit altruiste. Fais-le afin justement d'être bénéfique à autrui. Et les fruits simplement en fait de ces différentes pratiques qui sont mues donc par l'esprit d'éveil, qui sont sous-tendus en fait par bodhicitta, ne manqueront de se produire rapidement. Sane, tune, drone, dene, nyane, tama, sem, juje. What? Chadan, shendeje, and laudroya. Dia. Dig, madame, that me, chéjure, de ores, or what? Et ça, il faut réellement avoir conscience que c'est vraiment une caractéristique qui nous distingue des autres espèces. En ce sens que lorsque un être comme un animal, par exemple, boit, mange, etc., entre guillemets, il ne fait que boire, manger. Dans notre cas, justement, nous pouvons utiliser en fait notre esprit pour engendrer une intention particulière, une motivation particulière. Et de sorte que toutes les activités que nous pouvons faire, qu'il s'agisse donc de manger, de boire, de prendre du repos, de marcher, de travailler, d'agir, quelles que soient finalement les activités que nous pouvons faire, cela peut être autant finalement d'aspects altruistes revêtus finalement par que va revertir finalement une attitude altruiste, en ce sens que tout ce que nous faisons, nous pouvons ainsi le faire en vue d'être bénéfique à autrui. Parce que par contre, si au contraire, on n'engendre pas ce type de pensée, il se peut que notre comportement soit beaucoup plus vil que celui d'un animal. Cela veut dire en fait nous ne nous comportons pas pire qu'un animal. Et qu'est-ce que cela implique finalement derrière? Cela veut dire ne cherchons pas simplement ou ne vivons pas simplement que pour réduire, pour éliminer ce que l'on appelle la souffrance de la souffrance. Ce que fait un animal simplement, il s'arrête là. Tant que nous restons axés simplement sur l'élimination de cette seule souffrance de la souffrance, nous continuerons à nous comporter tel que nous le faisons. Prenons en compte en fait les autres aspects de la souffrance ou qui sont de la nature de la souffrance, à savoir donc la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. Mais quand on dit se comporter effectivement pire, il y a un risque que l'on se comporte pire qu'un animal. C'est qu'un animal, il va simplement chercher donc à ne pas faire l'expérience de la souffrance de la souffrance. Pour ce faire, il va chercher sa nourriture, chercher de quoi boire, chercher un abri. Dès lors qu'il a étanché sa soif, qu'il a assouvi sa faim et qu'il a trouvé son abri, il est repu en quelque sorte. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Ce qui est loin d'être notre cas. Une fois qu'on a obtenu de quoi boire, de quoi manger, il nous faut toujours autre chose. Il nous en faut un peu plus. Il nous en faut en plus grande quantité, de meilleure qualité, et pour ça on est prêt à tromper quelqu'un, à voler, à toutes sortes de choses justement à cause de ça. Ne
Donc, en d'autres termes, le conseil sous-jacent, c'est d'user de notre discernement, de notre capacité d'analyse, justement, de l'user notamment aussi pour réduire nos émotions perturbatrices, en tout cas l'emprise qu'elles ont sur notre esprit, la force qu'elles exercent sur notre esprit, parallèlement donc d'accroître notre altruisme, l'intérêt qu'on porte à autrui et les pensées finalement altruistes que l'on engendre. Et tout cela encore, finalement, pour que ensuite cet altruisme puisse être manifesté, donc de façon concrète, et cela de façon plus extensive, enfin ou plus étendue, en tout cas, de façon plus efficace. Donc, en pensant qu'on aura besoin alors de développer le calme mental, donc pour que ces actions donc altruistes soient beaucoup plus puissantes. Alors maintenant, donc revenons plus précisément justement au développement du calme mental, point sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois donc dans notre texte. On se souvient que notamment ce qui avait été dit, c'est que c'est bien de vouloir développer le calme mental, encore faut-il savoir exactement comment nous y prendre, parce que sinon, comme nous le disait notre texte, nous pourrions très bien essayer de le développer durant des heures cosmiques infinies sans jamais y parvenir. だしね、ロヤルだしね、そうてんばだしね、あのドゥツユムだ。あのカラオルだ、サブジェロジドな、ドゥスチン。あれ、サブジェ。タガシラムドな、は?サブジェ。シネ、そう、てんごです。シネギ、そう。そう、これで。イジ、トゥンゲン。トゥンゲン。そうだ、これで。は、トゥンジェロは、やトゥンジェンゴです。あのでね、だ、トゥンジェンでらてなにしね。 ドブダンカです。ドブヨメ。セムグラテネドブヨバタでけしやよわ。でだね、だじドブダンでらあにとびし、とぶとだんかれ。あいじし、ジョンツ。わだで。ドブダンのかれら。あ、かれらたんたで。いじ、おとぶダンだぶで。でや、しねドブダンだぶで。セムネグラテネ、セムネグドブヨゴロわ。あは。たもそうで、そうででね。でね、あにしね、あ、ドツングかでいめ。 Donc, entrons plus avant maintenant dans le développement du calme mental. Donc, celui-ci requiert au préalable donc, la réunion de conditions propices, favorables donc, à sa survenue. Ensuite, nous verrons de quelle manière établir le calme mental. Et une fois que nous comprendrons comment l'établir, nous verrons comment, par quel parcours, en quelque sorte, ou aspect passe l'esprit, par quel stade, en l'occurrence, passe l'esprit. On parlera de 9 stades mentaux qui permettent donc le développement, enfin, au terme desquels, pardon, se développe, se produit le calme mental. C'est cette progression, donc, le long des 9 stades qui s'appuie sur ce qu'on appelle 6 forces, ce que l'on regardera, 6 forces et 4 attentions. Ta chine, c'est à dire, qui t'a dit, c'est la voie de l'ana. Andine, sem, nambada, mende yung, nambada, mende yung, aïdama, shiva chine. Shiva chine. Qu'est-ce que l'on entend finalement par le calme mental? C'est la capacité qu'a l'esprit de pouvoir ne plus être, de ne plus finalement. Le calme mental, c'est le fait de ne plus être perturbé par les pensées, les idées donc, qui traversent l'esprit, c'est-à-dire voir une raréfaction donc, totale des pensées, des idées qui habituellement donc, agitent, gravitent l'esprit, et la capacité qu'a l'esprit de rester focalisé sur son objet, c'est-à-dire centré en un point sur l'objet qu'il s'est donné. La pratique du calme mental n'est pas spécifique au bouddhisme. On la retrouve dans d'autres traditions, notamment des traditions indiennes, par exemple.
인디언 지구만 야 이 7월 번 인디언 지구민도 근데 저거 그래서 나한테 이슈번 코미셰 이슈하 먹어 하고마소 Donc, excusez-moi pour être complet, j'ai dit indienne, c'est vrai. Le terme en tibétain dit des traditions autres, sous-entendu autres que bouddhistes. Et c'est vrai que souvent, on parle du kalmental dans le développement donc de pratiques comme l'hindouisme, enfin de traditions telles que l'hindouisme et autres. Voilà, donc, mais il se peut que d'autres traditions, finalement, développent des états qui s'apparentent ou qui relèvent du kalmental, ça je ne sais pas. Donc, voilà. 그래서 봐. 띵이 다시 내 루벨라다 소된 거고이다. 튼진 소된 거고이다. 봐. 튼진 가르고 걸라는 튼배 유일한 내 봐. 근데 봐 총아. 촉셔 봐. 네. 자. 아. 네 총 촉셔. 봐. 네 자와 망부 든지 용서 빵 봐. 자와 망부 매 봐. 든지 용서 빵 봐. 봐. 응 지금 타 봐. 더발로서 봐. 남도 용서 빵 봐. 수림 타봐. 수림 타봐. 정말. 수림 정말. 타봐. 네, 너발로 소배. 남도 용서 방법. 두바. 라 소배. 남도 용서 방법. 다 차배했습니다. 중국 당국으로 와. 차근. 그런데 너발로 소배. 남도 용서 방법. 지금 두중 지금 말해봐. 두중 조시하던 데스트라이브 말아. 라 소. Alors, quelles sont, dans un premier temps, donc, les conditions propices, favorables, donc, à réunir pour développer le calme mental? C'est de se trouver, donc, d'abord dans un lieu, un endroit qui soit propice, ce sera détaillé, un lieu qui soit propice. C'est ensuite soi-même d'avoir peu de besoins, on dit peu de désirs, littéralement, donc, peu de besoins. Le corollaire de cela, c'est soi-même être facilement satisfait, facilement dans le contentement de ce que l'on a. S'engager dans peu d'activités, c'est-à-dire ne pas continuellement s'affairer, trouver des choses à faire, en d'autres termes. C'est préserver une éthique de la façon la plus pure, la plus irréprochable possible. Et c'est éliminer, s'évertuer à éliminer toute forme d'attachement pour ce qui relève les objets du désir, en d'autres termes. Lama la soba de Niamagi, and the decision. Near Sachin, Near Sachin. Sassan was Eddie, Sadi Lani, Chudan, Lundan, Denita, the Sajidan, Chichijon, Satana, Yawomara, Tantana, Yawomara, on the day, Cabinia Bolos. Dene, oh, Sassan was it. Trosanwa. Trobo. 말하면서 담여봐 담보 아니면 소수지고 돼요 말이스. 디인두야는 다 소수지고 되나 대신양가요 말이스. 디인두는 조상보야고. 조상보여나 망보여나 주요 말이스. 조 망보여냐 디나로 담는다요나 주인단거 말이스. 디인두 조상보여도 말이스. 와. 되니 조상와 냉조 대회 여제다 된바스. 냉조 대회 여제다 된발라데다 참대야로 여제 가르고 구요나 디 여제 야 두바체. 여제 도디니 신인 공백이 진진 가리 소소 삼당다 가리 가리고 오면 라면단 쉬니 인에 따다 지는 로고래 했으니 대추가는 저기 요제 요제 가리고 아 요제 요제 이게 참 나로라 가리 가리고 오면아 다지 대사다 오다 가리 가리 잘라 가리 가리고 오면아 이제다 잡아 차단 지 키우고 언제도 차단 요제 차단 된 된바체 안 디칼라니 가리고 오면 대화 드리스 Alors, si l'on revient un peu plus en détail maintenant sur le lieu, donc l'endroit propice, l'endroit favorable, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit dans lequel il est facile de s'approvisionner, donc en biens de première nécessité, notamment pouvoir être approvisionné en nourriture, par exemple, facilement. C'est le premier point. Le deuxième point, idéalement, c'est un lieu qui est
peut dire porteurs de bénédictions, c'est-à-dire comme dans des lieux où, qui ont été ou des lieux de pèlerinage ou des lieux dans lesquels ont médité certains êtres, par exemple, donc qui sont porteurs d'une certaine bénédiction. La troisième caractéristique, c'est que le lieu, donc ici l'environnement, d'autres termes, dans lequel on doit se trouver, doit être le plus salubre possible, que ce soit parce que l'eau est salubre, l'air aussi, que ce soit la température elle-même, donc pas trop extrême, pour autant de conditions finalement qui doivent faciliter et soutenir la pratique, c'est dans ce sens. Quatrième point est l'entourage. On doit s'entourer, on dit, de bons compagnons. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est-à-dire que lorsque l'on s'adonne au calme mental, à la pratique du calme mental, il est important de ne pas le faire seul, ce qui pourrait présenter certains dangers. Ce n'est pas une pratique facile. Mais il importe par contre d'avoir des compagnons. Ici, il est important de choisir ses compagnons de retraite, en d'autres termes. Et s'il s'agit donc de bons compagnons, peu importe, ils peuvent être nombreux, ça n'a plus aucune importance. Mais il faut qu'ils envisagent les choses un petit peu dans la même direction que nous-mêmes, ce qu'on entend par ici, bons compagnons. Et enfin, le cinquième point est qu'il faut pouvoir disposer par exemple dans son lieu de retraite, des objets dont on a besoin en fait, pour mener facilement la retraite. Voilà. Alors, le terme de bien n'est pas très heureux. Donc, je vais dire ça autrement. On peut dire ça ici. Parce que yochi, on peut le traduire justement par les biens, qui sont les biens qui nous entourent, dont on jouit, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est un ensemble de... C'est autant, en fait, des biens dont a besoin un retraitant, c'est-à-dire tout simplement un lit, enfin, je veux dire, une serviette, enfin, des choses aussi simples que ça, basiques pour vivre le temps de sa retraite. Mais ce dont il a besoin aussi, et crucialement, et qui est tout aussi important au combien là, sont les instructions qu'il devra avoir reçues au préalable d'un maître. Donc tout ça, ça rentre dans cette catégorie. C'est pour ça que le terme de bien n'est pas des plus heureux. Mais c'est... Comment on peut dire ça en termes génériques, disposer, nécessité, bon. Je vais suivre Nanga. Disposer de tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire. On va faire simple. Je vois dans ce qui est nécessaire. Disposer du nécessaire à la retraite, en fait. On va dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. 신의 고미 연대간에 중요한 데 지은 거래. 나는 네 용서나 네 매버스야 다시 명아 어디 이거 그래. 예예 디인데 j'ai une dit choc de la joyeté qui nous a beaucoup qui aurait dit bien entendu les instructions donc sont indispensables, instructions qui en fait indique aux pratiquants finalement comment s'y prendre, donc lorsqu'il médite, quels sont les écueils qu'il lui faut éviter, comment dépasser de tels écueils, etc. Donc ces instructions sont bien évidemment primordiales. De bachon à l'adresse, de gorroa, c'est vrai. De chong, chouchet. Après l'environnement donc favorable donc qui vient d'être décrit donc au moyen de ces cinq caractéristiques, le deuxième point était le fait d'éprouver. Est-ce que il y a besoin de revenir, je demande, sur les cinq caractéristiques de l'endroit favorable, ou est-ce que c'est assez clair? C'est clair. Je crois. Oui, c'est pas très compliqué. Ça donne ma donne là, c'est ça de jumeauchesse. De voiture à gourdes, des gourdes, ça va, de voiture
Le deuxième point donc, est le fait d'éprouver peu de désir, d'avoir peu de besoins, en quelque sorte. Et par ici, c'est évident que si l'on ne, n'intervient pas là-dessus, si notre esprit veut toujours autre chose que ce qu'il a, un peu plus grand, meilleure qualité, etc., c'est sans fin. Et cela va de fait entraver la pratique elle-même. Il sera impossible pour l'esprit de se fixer sur son objet de concentration, enfin, oui, de focalisation, vu qu'il sera toujours porté sur autre chose. Dans ce contexte ici, quand on parle de peu de besoins, en fait, c'est pour ça que le terme besoin va bien ici. C'est vis-à-vis notamment de son alimentation et des vêtements, par exemple, que l'on porte, donc des conditions que l'on a au sein de la retraite même. Notamment, l'alimentation est un point extrêmement important. Il est dit effectivement que, alors traditionnellement, qu'il est préférable de manger à midi et pas le soir. Donc ça, c'est probablement dans le contexte en fait d'une vie monastique, donc où il les veut invite en fait à ne pas prendre d'aliments solides après midi. Néanmoins, si l'on vient à manger le soir, de le faire en petite quantité. Et d'une façon générale, en fait, la prise alimentaire doit être faite avec modération. Parce que si on mange trop, ben, naturellement, l'esprit va être en proie à une certaine torpeur, plus volontiers. Et au contraire, si on ne mange pas suffisamment, il va être beaucoup plus agité, en fait, beaucoup plus. Il va avoir une certaine fébrilité. Bien sûr, parmi les aliments qui sont proscrits, il y a l'alcool. Donc, toute prise d'alcool est proscrite tout simplement pendant une telle retraite. En même temps, c'est assez compréhensible, c'est assez logique, assez compréhensible, vu comment l'alcool modifie déjà la conscience, donc il est beaucoup plus difficile de guider l'esprit, et l'alcool a également une dimension addictive, en fait, de dépendance. Donc un verre après un verre, soir après soir, voilà, la fin de retraite devient difficile. Par ailleurs, il semble que chez certaines personnes, l'alcool, enfin l'imprégnation en tout cas, d'alcool rende logoréique en fait. Donc ce sont des gens qui se répandent, enfin qui parlent du matin au soir, enfin, ensuite après, donc qui libèrent la parole en tout cas. Et c'est d'ailleurs quelquefois un des signes qui permet de dire, de penser que telle personne a dû boire un petit coup. Parce que voilà, elle parle plus volontiers ou davantage qu'à l'accoutumée. Le corollaire ensuite est le contentement, justement la satisfaction. Le contentement, la satisfaction, c'est la capacité qu'a notre esprit de dire ça va, j'en ai assez. Ce que j'ai me va très bien. J'ai entendu, j'ai pas besoin d'autre chose. Je me satisfais tout à fait de ce que j'ai. Tu
dindimbang wa ta ngaran du goza la alingya la dindimbang pa mare ine yush ta tsulim ta pa son ta tsulim ta wa je tsulim ta wa de tsulim ta wa sayadi tsulim ta na tsulim ta wa sayadi ta zo ni lu da nga gi ni ya ba dom je de ya de ke chim bu zi wa de so wa lu da nga gi ni ya ba de ma dom na ani ta nga ni dam de she ya da wa da lu ni cha wa dam de chi le yong wa wa sang chu gi di yin da ni Ici, point suivant, donc, on l'avait dit, est d'avoir l'éthique la plus pure possible, plus irréprochable possible. Ici, il s'agit en particulier donc, de ce que nous faisons physiquement et verbalement, c'est-à-dire de contenir autant que possible en fait, notre corps et notre esprit, notre parole, le préservant donc des actions négatives. Donc éviter le plus possible toutes ces actions non vertueuses physiques et verbales. Il y avait également ce point qui nous invitait donc à réduire, en d'autres termes, notre activité. On pourrait dire à ne pas nous trouver une foule de choses à faire, en d'autres termes ici. Sous-entendu, de choses à faire autres que le dharma, et même en particulier, on verra plus précisément, que cette pratique du calme mental, d'éviter par exemple de thésauriser. C'est pas le moment pendant une retraite de chercher à accumuler des choses, à mettre de côté des choses, etc. Par exemple, tout ce type d'actions sont absolument à éviter. Et quand on dit même limiter au maximum ses activités, on retrouve souvent le récit donc, de certains pratiquants qui même renonçaient à couper des buissons d'épineux qui poussaient devant la porte de leur retraite, enfin, de leur lieu de retraite. Étant entendu finalement que le propos même d'une telle retraite, c'est d'essayer de faire en sorte que l'esprit soit le moins distrait possible et que l'esprit ne se porte sur le moins possible sur d'autres objets que l'objet sur lequel il est censé rester centré ou se focaliser. Et en fait, le dernier point ici, donc la dernière condition favorable au développement du calme mental, pour la synthétiser même encore mieux que ce que j'ai traduit tout à l'heure, c'est finalement réduire les pensées de désir, au sens les pensées d'attachement, en fait, les pensées de désir, d'attachement. Donc essayer coûte que coûte de prendre conscience de ces différentes idées, pensées qui nous amènent donc vers des objets d'attachement ici et là, et chercher à les réduire. Et par là même, donc, de chercher finalement, on dit littéralement de détourner nos pensées de cette existence-ci. Ça veut dire en fait de faire en sorte que l'attrait qu'exercent les aspects plaisants de notre existence actuelle soit réduit en fait, que cet attrait n'exerce pas la même influence en fait sur notre esprit, ou le même pouvoir d'attraction sur notre esprit. Dit du bien là, ni n'y a pas de cédé manche dans le goût, c'est vrai.
à défaut effectivement de détourner nos pensées de cette vie-ci, il est impossible de nous tourner donc vers les existences, de nous préparer et d'œuvrer, d'agir en faveur donc des existences à venir. Et lorsque l'on cherche à développer le calme mental, il est bien évident que ce n'est pas une réalisation que l'on cherche à obtenir simplement pour cette vie-ci. En fait, c'est une capacité, une faculté que l'on cherche à développer pour pouvoir accroître considérablement donc les qualités de notre esprit, différentes acquisitions, réalisations, et cela donc à travers cette vie, mais à travers les vies à venir. Alors, pour ce qui est maintenant, donc on a vu le premier point qui consistait finalement à voir quelles étaient les conditions propices, favorables, donc qu'il fallait réunir pour pouvoir commencer à s'entraîner à développer le calme mental. Maintenant, ce deuxième point, c'est comment nous y prendre justement pour développer le calme mental. Donc autant le texte nous disait que si on ne réunit pas les conditions propices, si les facteurs ne sont pas présents, on peut passer des milliers d'années sans le réaliser. Autant par contre, lorsque les conditions propices sont toutes réunies, il est dit que l'on peut engendrer et l'on peut développer le calme mental dans l'espace de 6 mois. Donc ça change un peu les données. Donc ça vous tente 6 mois de retraite. Donc effectivement, c'est alléchant le mot, peut-être pas très heureux, mais en tout cas c'est tentant, voilà. Mais il faut bien préciser que dans ce délai de 6 mois, ça veut dire qu'il faut que toutes les conditions donc propices aient été réunies, que l'on puisse contrecarrer toutes les conditions défavorables, et bien sûr qu'au préalable, quand même, on se soit chargé, je puis dire, d'une certaine accumulation de mérite et qu'on ait purifié nos négativités. D'accord. Ça va ? C'est déjà plus 6 mois là. D'où l'intérêt finalement d'une pratique progressive qui se met en place petit à petit, qui se développe petit à petit et qui amène l'esprit à être moins attiré, moins happé vers l'extérieur, qui amène l'esprit à être beaucoup plus posé, à se placer plus volontiers, à rester plus volontiers sur son objet. Autant d'aspects différents des pratiques qui concourent ainsi, qui facilitent en tout cas le développement de ce calme mental. Donc quand on regarde maintenant la manière de nous y prendre, en fait, on aborde ce qu'on appelle les 5 écueils que l'on sera amené à rencontrer finalement lors de notre pratique du calme mental. Le premier écueil est la paresse, avec son aspect le tout premier, qui est celui même de se dire oui, c'est bien le calme mental, mais bon, on ne va pas s'y mettre de suite quand même. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier écueil qui nous empêche tout simplement de l'envisager. Donc la paresse. Le deuxième écueil, c'est l'oubli des instructions. Donc on y reviendra plus longuement. Le troisième écueil va pouvoir revêtir deux facettes, deux aspects. Il s'agira tantôt du relâchement mental, tantôt de la distraction, de l'agitation mentale. Il y a ensuite la non-application des antidotes lorsque cela s'avère nécessaire, lorsque justement donc, est présent dans l'esprit ou le relâchement ou l'agitation.
Et il y a au contraire, c'est le cinquième écueil, l'application excessive des antidotes lorsque ne sont plus présents donc, ces facteurs, par exemple, tels que l'agitation ou le relâchement. Mm-hmm. Et le premier facteur, donc le premier écueil, il vient bel et bien en premier, parce qu'en fait, c'est tout simplement le premier qu'on rencontre tous, c'est la paresse, en fait. C'est ce qu'il nous faut arriver à déraciner. Alors, ces cinq écueils donc, vont être contrecarrés par ce qu'on appelle huit facteurs contraires ou huit antidotes, en d'autres termes. On les énumère simplement dans un premier temps. Il s'agit de la... alors le terme littéral, c'est la foi, mais ici, c'est la foi qui peut être sous forme de conviction, de certitude ou d'admiration. Ça dépend ce que l'on envisage. Donc le premier est la foi, le deuxième est l'aspiration, le troisième est la persévérance enthousiaste. Le quatrième est la souplesse ou la maniabilité, parce qu'il y a l'occurrence mentale. Le cinquième est la mémoire. Le sixième, la vigilance. Le septième, l'application justement des antidotes. Et le huitième, la non-application. Quelquefois, c'est rendu par l'équanimité, parce que c'est le même terme que l'on retrouve en tibétain, mais ici, c'est équanimité au sens de non-intervention, donc non-application des antidotes. Donc on a vu le premier écueil, donc, qui est la paresse, enfin en tout cas on l'a cité, et ce premier écueil donc, va avoir besoin de quatre, ou va en tout cas bénéficier plutôt, de quatre types d'antidotes pour être complètement éliminés. Ce sont les quatre premiers que l'on a évoqués, à savoir donc, la foi, donc on s'en tient à ça pour le moment, ce terme, l'aspiration, la persévérance enthousiaste et la maniabilité. La première des choses, en fait, pour pouvoir développer le calme mental, faut simplement en éprouver le désir, en fait. Il faut en avoir tout simplement envie. Et c'est justement le propos de la paresse, en quelque sorte,
d'entraver cela. Et pour remédier, en fait, pour faire naître plutôt ce désir, cette envie, tout simplement, de se tourner, de s'intéresser au calme mental, la première des choses est d'engendrer, alors ce qui est appelé ici la foi, c'est-à-dire c'est ce qui va relever ici, donc cette foi sous forme d'admiration, en l'occurrence ici, qui est d'envisager les qualités de la concentration, c'est-à-dire tous les bénéfices que l'on va pouvoir ressortir de la concentration. Plus notre esprit comprend combien elle va lui être indispensable, et plus naturellement il a envie de la développer. Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, nous dit que un calme mental épaulé de la vue supérieure est ce qui permet d'éradiquer définitivement les émotions perturbatrices. Et c'est là de comprendre que c'est bel et bien la condition nécessaire et préalable au développement justement de la sagesse qui réalise directement la vacuité. Celle-ci ne pourra jamais être développée en l'absence du calme mental. Donc cette qualité de concentration, le voie offerte par le calme mental, est indispensable pour cela. Or, c'est la combinaison du développement, enfin la combinaison du calme mental et de la vue supérieure qui permettent non seulement de se défaire, d'éradiquer les émotions perturbatrices, mais ensuite, donc fort de bien sûr de l'esprit d'éveil, de parvenir à la bouddhéité. Donc, c'est d'envisager ces différents aspects pour prendre conscience finalement de tout l'avantage finalement qu'il y a à développer une telle concentration. On dit littéralement d'envisager les qualités offertes par une telle concentration, et c'est ce qui fait naître cette foi ici sous forme d'admiration qui donne envie, en fait, tout simplement de le développer à notre tour. Ce qu'il nous faut, ce dont il nous faut prendre conscience, c'est que tant que nous ne disposons pas d'une très forte stabilité mentale, une très forte concentration, donc notamment celle offerte par le calme mental, notre esprit est continuellement la proie de l'agitation, notamment. Sans parler, même dans ce contexte après, de l'éparpillement, de la distraction mentale. De sorte que, quelles que soient les pratiques auxquelles nous nous adonnions, qu'il s'agisse de récitation de mantras, qu'il s'agisse d'études, qu'il s'agisse de réflexion, de méditation, de retraite ou autre, ces pratiques finalement ne peuvent être pleinement efficaces dans la mesure où justement notre esprit reste encore agité, reste encore extrêmement dissipé ici et là. Et donc c'est envisager justement les qualités de la concentration et les qualités du calme mental que de comprendre en fait qu'ils permettent justement de mettre un terme à une telle agitation et par là même ensuite de donner énormément de puissance, de force à ces différentes pratiques. Donc naturellement de la compréhension de ce que peut offrir le calme mental, donc va s'élever cette forme d'admiration, donc cette foi ici qui relève de l'admiration, et donc par là même l'envie nous-mêmes de le développer, l'envie qui fait naître en fait l'aspiration, qui donne naissance à l'aspiration, qui va permettre en fait déjà de passer à une étape qui est à un degré en fait plus important déjà. On est près de la du passage à l'acte en quelque sorte ici. Ta dela dumba de le yindu gane ani dela zo wa de rang shu le yong ro wa san ta de zong gu du san wa zo le san wa wa le yong de san wa. Naturellement, plus l'aspiration se renforce et plus l'envie donc va croissant, et plus finalement on se donne les moyens de pouvoir développer une telle pratique, et donc en l'occurrence ici une telle qualité, et plus on est prêt à s'évertuer dans ce sens, c'est-à-dire à fournir des efforts dans ce sens. Chawa dhubyaal kange yomarwaas, de uzu jan dhubyaa dhaa ni Xinjiang saati rang shuu le yomarwaas. Da di ngaran zu namshaa jindengi chawa chidang dhaa na taqtaa yorwaas. Susu sem naa loo ne, dela gaabu juyo na, di chiyaa dhoba jiyongwaas. De chiyaa dhoba yomarwaas dhaa 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 d
네 타르친 거 용하 타르시던 거 그래서 데 도바이 인다 디그레 데 그래서 디인다 데 시네라 도바이 레바치알 아니 시네 평연도 된다 다 담에도 망고 송요 그래서 좀 참아 딱이 있네요 그래서 Et en fait, c'est un processus assez naturel qui est suivi ici. Ce n'est pas simplement quelque chose qui serait spécifique au calme mental. C'est la façon dont notre esprit fonctionne habituellement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il voit un intérêt à quelque chose pour ensuite avoir envie de faire cette chose-là et ensuite être prêt à fournir les efforts nécessaires en ce sens et être prêt même à persévérer jusqu'au bout pour arriver donc à son résultat. Parce que justement, il y a ce moteur qui est l'envie, le désir donc, de cette chose-là. Donc, ce que l'on retrouve communément, ça s'applique ici au développement du calme mental, c'est-à-dire que c'est cette aspiration ici qui s'élève, donc ce désir, cette envie de soi-même se doter donc, d'une telle stabilité, de telle qualité, va donner naissance, va nous amener à nous évertuer dans ce sens, à faire des efforts dans ce sens, donc va se mettre en place cette persévérance enthousiaste qui culminera par le développement donc, de la maniabilité mentale donc, qui ne requiera plus le moindre effort. Alors, on va s'arrêter donc, pour le déjeuner. Prenons la page 90. Oh, sachi peu qui chuching me tok tram, riram ling chini de gien padi, sangi ching to mik te ulwayi, drokun nam tak chin la chupar, shogi dam guru ratna mandala, yam niriata yami. Tini manzo kalekhane ya goyo mares, tini da chule jite ya goyo siyantes. Et comme il fait un petit peu chaud donc, ces jours-ci, justement, bah, c'est l'occasion ou jamais de savoir prendre du repos, prendre des moments tranquilles, justement en les motivant justement de manière altruiste, là encore, donc d'utiliser ce temps-là. On se retrouvera donc à 4 heures justement à cause de la chaleur notamment.